Et Ryo tout le monde, nous revoici sur Undertale épisode 3. Alors la dernière fois on avait parcouru des labyrinthes de fous, non mais franchement de fous. Et surtout ce putain de monstre qui me demande de manger mes légumes. Alors c'est parti. Ah oui, bien sûr, vous l'avez déjà vu en épisode 2, la dague de merde que j'ai fait. Que viens-tu de sortir? Surprise! Mais en fait ce n'était pas un thé, mais c'était un butterscotch cinnamon pie. Quoi? Je sais même pas ce que c'est que le butterscotch cinnamon. Allez, c'est parti. Je pensais qu'il fallait célébrer ton arrivée. Ça commence bien Google Traduc. Non, éclair Traduc. Erreur. Je veux que tu aies un bon temps pour vivre ici. Donc, je vais te laisser un morceau de cette tarte pour le ce soir. Tiens, j'ai une autre surprise pour toi. Quoi donc? Doriel? Doriel, c'est ma surprise. Le voilà. Une pièce rien que pour toi, je pense que tu vas adorer. Oh, elle me caresse la tête. Ronron. J'arrête les ronrons. Hein? Il y a quelque chose qui brûle? Fais ce que tu veux. What? Doriel serait en train de brûler la tarte. Elle va souffrir pour ce qu'elle vient de faire. Bon. Ah, ma propre chambre! Merci Doriel, mais wait. Si j'ai ma propre chambre et qu'elle me demande et qu'elle me dit fais ce que tu veux chez toi et qu'elle me traite comme son enfant. Mais oui, c'est clair. Elle cherche à nous kidnapper. Il faut que je me casse ici tout de suite. Vite. Elle veut nous retenir ici pour... Hein? C'est quoi cette pièce? Ouh. Le journal intime de Toriel. Est-ce que vous voulez que je lise? Non, merci. C'est mal de s'incruster dans la vie privée des autres. Bon, ce qu'il y a ici... Une chambre en train d'être rénovée. It's me! It's you! Oh mon Dieu, c'est toi! Oui, c'est moi. Que fais-tu ici? Je m'appelle moi. Ah, c'est moi! Non, c'est moi. Mais, attends. C'est toi! T'es moi! Alors je t'appelle toi ou je t'appelle moi? Je m'appelle moi, enfin, voyons. Mais non, mais toi et moi, on était toi et moi et toi en moi. Tu serais tellement moi avec toi. Je viens juste de pas comprendre ce que j'ai dit là. Bon, on continue. On va aller voir ce que Toriel fait. Ah ok, elle lit un livre. Et la tarte qui est en train de brûler, bordel! Elle est où? Elle est où? Elle est où cette tarte? Vite, sortez-le du four. C'est tellement... Oh. It's very clean. Ce four n'a jamais été utilisé parce qu'il est tellement propre. Je crois que Toriel utilise la magie du feu pour cuire ses tartes. Bon, Toriel. Bonjour, petit. La tarte n'a pas encore refroidi. Mais je pense que tu devras aller faire une sieste. Pas envie de sieste. Ah, tu préfères rester ici et chatter avec moi? I want you to know how glad. Ah, je veux que tu saches que je suis tellement heureuse d'avoir quelqu'un ici. Merci. Il y a vraiment beaucoup d'anciens livres que je voudrais partager. J'ai envie de te montrer tous mes instants favoris de livres. Et j'ai aussi préparé un curry to cures. Un genre de circuit pour t'éduquer, quoi. Je suis assez éduqué, madame. Ça devrait être aussi une surprise pour toi. J'en ai marre des surprises. J'ai toujours aussi voulu être une prof. Prof! Et maintenant, je pense que ce n'est pas assez surprenant. Mais si ça l'est, tu peux réaliser tes rêves! Still. Mais n'empêche! Je suis heureuse de t'avoir avec moi. Oh! Est-ce que tu veux quelque chose? Quel est le truc? Veux-tu baiser avec moi? Bon. Nothing. When can I go home?
Quand est-ce que j'irai à la maison, maman? Toriel, pardon. Quoi? Mais c'est ta maison, mon fils. Mon fils? Je crois qu'il cherche tellement à me kidnapper, là. Est-ce que tu veux entendre un truc d'un livre très intéressant? J'aime pas les livres. Ça s'appelle 62 Uses for Snail. Snails? Tu veux dire escargot? Oui. J'aime pas les livres! Qu'en penses-tu? Je veux savoir comment quitter cette ruine! Tu sais qu'il y a quelque chose d'excitant chez les snails? Une petite queue? Non. Tu savais que le snail pouvait faire de terribles sensations? Je comprends pas. Intéressant, non? Non. Bon, comment on quitte ces ruines, bordel? J'ai quelque chose à faire, reste ici. Putain, mais ce gars, il me saoule à la fin, bordel. Bon, c'est parti. C'était ouvert là, non? Attends. Ouais, je crois que c'était ouvert. Non, c'était pas ouvert. Qu'est-ce que je raconte? Toriel? Ah, te voilà, Toriel. Bon, bah alors. Moi, je suis non. Tu voudrais comment revenir à la maison, non? Oui. Devant tous les mensonges, à la fin, il y a les ruines. Ok. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'underground. Et je vais aller le détruire. Quoi? Plus personne ne pourra sortir d'ici. Quoi? Maintenant, sois un bon enfant et retourne en haut. Non, 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 je veux revoir mes parents, papa, maman et tout, la famille, et mes amis, mes sœurs, et tout ça. Là. Tous les humains qui sont tombés ici rencontrent le même fate, la même foi, je crois. Je les ai vus encore et encore. Ils viennent, ils partent, ils meurent. Toi, enfant naïf, si tu te barres de ces ruines, Asgore va te tuer. Je suis la seule à te protéger. Est-ce que tu le comprends? Nope. Maintenant, retourne dans ta chambre. Ouh là là là. Toriel, attends, j'ai juste un truc à te dire encore en plus. Tu n'essayes pas de m'arrêter. Mais Toriel, c'est ton dernier. Warning, ça tire quoi déjà? C'est ton dernier avertissement. Mais Toriel, tu veux tellement partir, c'est ça? Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une seule solution à ça. Prouve-le-moi. Prouve que tu es assez fort pour survivre. Quoi? Toriel? Toriel, attends! Toriel bloque le passage. Toriel, c'est pas ce que je voulais dire! Laisse-moi t'expliquer, Toriel! Toriel, attends! Wow. What the fuck? Aïe! Ah, ok. Toriel, écoute-moi! Je veux pas te rendre triste! Tu essayes de penser à quelque chose à dire, mais. Toriel! Toriel, je veux juste te dire qu'il y a peut-être une solution à cette situation. Toriel, pourquoi je peux pas faire des trucs? Toriel prépare un magic attack. Toriel, attends. Toriel, je veux juste te dire un truc. Quoi? Enfin. Toriel, non. Toriel! Mais bordel, j'arrête pas de me prendre des coups! Mais aïe! Oh putain. Mais putain, c'est trop dur là! Toriel! Essaye de me dire! Ah! Attends, me parler ne. Ah, ne gère pas la situation. Ok. Toriel! Je veux te laisser tranquille. Apparemment, tu veux pas me comprendre et je veux pas te comprendre. Alors cette fois-ci. Je te laisse tranquille. What the fuck? Ah!
Mais putain! Doriel, maintenant je veux juste que tu me foutes la aïe! Tu me foutes la paix! Non mais je l'ai trouvé là! Monster Candy, hein! Voilà! Doriel. Putain! Ah, tu commences à comprendre! Oh putain, j'en ai marre de prendre des trucs! Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te laisser tranquille, mon sweet. Ça part sur le romantisme, tout ça. Cours! Attaque! Ok, la traduction de merde. Monster Candy. Je te regarde fermement dans mes yeux. Ok, je me suis quand même pris un truc, putain! Tu essaies de prouver de cette manière. Je veux prouver que la qualité, c'est une qualité. Attaque ou casse-toi. Je t'attaquerai pas. Moi j'ai esquivé cette merde. Putain les gars, je suis devenu un professionnel. Arrête. Ah putain. Arrête de me regarder comme ça. I know you want it. Oh, bon, j'arrête. Putain, mais j'arrête pas de me prendre des pièges. Comment ils font? Non. Non. Monster Candy. Ah putain, la musique, elle est épique par contre. Pars-toi. Mais Doriel, laisse-moi juste t'expliquer. Aïe. Laisse-moi juste t'expliquer ce que je veux dire par là, en te regardant. J'en ai marre! Elle va craquer, je le sais. Elle va craquer. Elle loupe sa magie. Elle est sur le point de craquer. Je sais que tu veux retourner à la maison, mais... Je vais y aller. S'il te plaît. Retourne en haut. Non. Je promets que je vais bien m'occuper de toi. Non. Je sais qu'on a pas trop, mais... Non. On peut avoir une bonne vie ici. Non. Pourquoi tu rends toutes les choses difficiles? C'est ce que me disent toutes les filles. Non. S'il te plaît, retourne en haut. Non. Pathétique, n'est-ce pas? Je veux même pas sauver un simple enfant. J'ai pas un enfant, putain! Non, je comprends. Tu serais juste triste d'être emprisonné en dessous. Les ruines sont trop petites pour toi. Ça ne serait pas convenable pour toi de grandir ici. Mon explication, mon menace, ma peur. Pour toi, mon enfant, je vais les mettre à côté. Si tu veux vraiment t'échapper de ces ruines, je ne vais pas t'arrêter. Mais cependant, quand tu partiras, s'il te plaît, ne reviens pas. J'espère que tu comprends. Oh. Non, attends, je veux un autre câlin. Oh. Au revoir, mon enfant. Te retourne pas, éclair. Te retourne pas non plus, Mato. Mato, qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, c'était assez tendre. Ah, mon Dieu. Ce silence. C'est la minute de silence pour nous avoir quittés. Doriel. Je l'aimais, putain! Bon. Encore toi? Clever, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, putain? Clever, ça veut dire quoi? Ingénieux. Très ingénieux. Tu crois que tu es tellement intelligent, non? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Alors... So you were able to play by you.
Maintenant, tu dois jouer avec tes propres règles. Tu as échappé la... Tu as laissé la vie à une personne. Je pense que tu te sens vraiment bien. Ah oui, tu le dis. Tu n'as pas encore tué quelqu'un maintenant. Mais que vas-tu faire si tu rencontres une vraie personne qui cherche à te tuer? Tu vas mourir, et mourir, et mourir, et mourir, et mourir, et mourir. Jusqu'à que tu sois fatigué d'essayer. Que vas-tu faire, hein? Ça, c'est une bonne réflexion. Est-ce que tu vas enfin te décider à le tuer? Give up. Putain, pourquoi à ces moments-là où je cherche à faire une bonne traduction, je nique tout? Où tu vas abandonner? Et enfin me laisser le pouvoir de le contrôler? Je suis le futur prince. Je suis le prince de ce monde futuriste. Ne t'en fais pas, mon petit monarque. Mon plan est régicide. Je comprends pas. C'est tellement intéressant. Ça va, Flaoui? Flaoui? Je suis censé aller où, là? Ah, il y a une porte en haut. Eh les gars, nous enfin nous sortons des ruines! Oui, on va enfin voir ce que c'est que le Underground. Et ben, bienvenue sur Undertale, le nouveau gameplay, le plus top, le plus cool, le plus de Toby Fox. Aimez ce Toby Fox, likez-le, sucez... Wait. On se calme, Claire. Alors... What? Ah, quand même, ici c'est beaucoup mieux qu'à l'intérieur. Hein. Bon... On marche dans la forêt, des arbres, on marche dans la forêt, oui, des arbres, ah, ah. On marche dans la forêt, des arbres, on marche, forêt, oui, des arbres, on court dans la forêt, des arbres, on court dans la forêt, oui, 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 on court, plus vite que ça, on court, putain, court, mais pourquoi il court pas, c'est du bordel de merde, on court. Humain. Tu ne sais pas comment accueillir un bon ami. Retourne-toi et shake my hands. Coucou. Je vends ma bite. Oh putain, mais entre toi et Toriel là avec vos belles, là, j'en ai marre. Moi je te casse ici, j'en ai marre. Putain de merde, bordel de putain. Rebonjour, chers téléspectateurs, nous allons continuer notre fameux let's play. The old whoopy comme une soon in the end, trick. What? C'est la chelsoon. C'est tellement la blague de merde. Enfin bref, il nous a fait une blague de merde. Il a mis un sac à... un sac de pète dans sa main et quand on a appuyé, ça fait croûte, quoi. C'est toujours amusant. Anyway, bon, bref, retournons à nos moutons. Tu es un humain, non? Oui. C'est marrant. Je m'appelle Sans. Sans, le squelette. Non, sans blague. Je suis en ce moment même supposé en train de chercher un humain maintenant. Ah bon? Mais, tu sais, je m'en fiche. Je m'en fiche de capturer n'importe qui. Maintenant, mon frère, Papyrus,
C'est un chasseur d'humains fanatique. Hé! Hé! Maintenant, je pense que c'est lui, là-bas. J'ai une idée. Va à travers ce portail. Ouais, va à travers dessus. Mon frère a mis les barres. A mis de grosses barres pour arrêter des gens. Ah, c'était censé être un piège pour arrêter des personnes. Mais c'est nul! Vite, va te cacher derrière cette lampe. Vous voulez dire cette lampe qui me ressemble à la même? Oh, une cachette parfaite. Yo, frère. Tu sais ce qui est super, mon frère? C'est que ça fait des jours et des jours que tu n'as pas... que tu n'as pas recalibré tes puzzles. Tu fais que sortir de ta place. Qu'es-tu en train de faire, bordel? Regarde cette ombre. Elle est cool. Est-ce que tu veux la regarder? Non! Je n'ai pas de temps pour cela. Que se passe-t-il si un humain arrive ici? Je veux être prêt! Je veux être le premier! Je dois être le premier! Je vais capturer un humain! Après, moi, le grand Papyrus! Je vais avoir tout ce que je veux, tout ce dont je rêve, tout ce dont je réserve, le respect, la reconnaissance! Je vais enfin rejoindre la garde royale! Et les gens vont même me demander de devenir mon ami. Je vais entrer dans un bain rempli de bisous chaque matin. Tout à l'heure. Peut-être que cette lampe va t'aider. Sans, tu n'es pas en train de m'aider, espèce de flemmard. Lazy Bones. Bones. Bones, c'est un... Même en français, putain. Bone. C'est un os, voilà. Bone, c'est un os. T'as tout compris la blague? Tout ce que tu sais faire, c'est... bong... c'est s'asseoir et bong dogo. C'est quoi ça, bong dogo? Tu deviens flemmard et flemmard tous les jours. Hé. Hey. Prends-le facilement. I've gotten a ton of work done today. J'ai eu plein de travail à faire aujourd'hui. Et encore une fois de plus, c'était une blague du grand San. I got a ton, skeleton of work done today. A skeleton! Ah d'accord, ça se termine là. Ah ouais, bravo, 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 bravo. San! Allez, t'es en train de rire. Je le suis et je déteste cette blague de merde. Maintenant, tu vas te suicider dans le trou qui était juste derrière. Ah. Pourquoi une personne aussi superbe que moi doit faire tant de choses pour avoir de la reconnaissance, pour être reconnu, quoi. Waouh. Tu as... Wow, apparemment tu travailles tellement Tu te travailles tellement. Oh putain, Sam, c'est quoi ces blagues de merde? Alors là, je sais pas comment vous l'expliquer. Et encore bonne. Tu veux dire os, mais je sais pas comment expliquer cette blague en français. Je vais attendre dans mes puzzles. Pendant que toi tu travailles, mets un peu de backbone dedans. Intéressant discours. Ah, merde, je me recache. Hey. Ok, tu peux sortir maintenant.
C'était qui ce type? Tu m'expliques le fuck? Explique-moi, Sans. Sans, le grand. Explique-moi, putain. Explique-moi. Explique-moi. Tu devrais y aller. Il devrait revenir. Et s'il dit bien, tu vas avoir... Tu devras rester ici à entendre tous mes blagues drôles. Elles sont drôles, tes blagues, mais le problème, c'est que j'arrive pas à les traduire. Maintenant, Hey, tu crois derrière, Mathieu Canini. Maintenant, peux-tu me donner une faveur? Bien sûr. J'ai pensé... Mon frère se sent pas bien depuis ces derniers temps. Il n'a jamais vu d'humain avant. Et je pense que te voir va lui rendre tellement heureux. Et n'en fais pas, il n'est pas dangereux. Ben, j'espère. Même s'il essaye de l'être. Ok. Merci beaucoup. Je vais être devant toi. Devant moi, c'est derrière, tu t'es trompé, Sand. Sand, reviens. Reviens, Sand. Reviens. Ok, merde. Wouhou! Point de sauvegarde. This is your determination. Nous voilà à Snowding, Box Road. Et ben voilà les gars. C'était l'épisode 3 de Undertale. Nous avons réussi à nous échapper de Doriel. MCM putain. Nous avons rencontré deux nouveaux personnages qui sont assez cool. Sans et Papyrus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Et aussi visiter ma page Facebook et Twitter. Bien ceci dit, je vous dis... Nialu!